Dash, il n'est pas question que je me lève tant que le réveil n'a pas sonné. Bonjour, vous vous rendez compte, nous sommes déjà en décembre. Waouh, les fêtes sont arrivées sans prévenir. Hier encore, c'était Thanksgiving. Pour vous réveiller en beauté, voici une chanson de Noël que vous allez adorer. Ça va, je me lève. Falling on my face, him back my soul to take a taste. As thunder spreads its wings into the space above me, I tilt my head toward the sky. And now that love's cause go by. Ah, si, c'est bien. Pour Madame Hendrix, c'est Ashley. Il y a une coupure d'eau chez moi pour changer. Et vous savez s'il y en a pour longtemps? Peut-être que Monsieur Hendrix pourrait venir réparer. Vous pouvez me rappeler? Merci. Dash, faut que je file. Je te rapporterai des bouteilles d'eau ce soir. Désolée. Bonjour, Nick. Bonjour, Ashley. Ça y est, tu as acheté ton sapin? On est que début décembre. Ah. Rien ne nous empêche de prendre un peu d'avance, ça n'arrive qu'une fois par an. Oui, comme la saison des ouragans. Vous allez où? Bon, je vais voir un ami à l'autre bout de la ville, à 1h30 de bus d'ici. Et toi? J'ai un entretien d'embauche à 8h30. Tu ferais bien de filer. On se retrouve au resto ce soir? Sans faute. Oh, c'est pas vrai. Ne fais pas ça. Le bus. Sauf que ce que dit Force Link, on s'en fiche. Je te dis que je suis sûr de mon coup. Les enregistrements le prouvent, non? Claire a tout vérifié et elle a donné son approbation. Ça roule. Je suis plus très loin, j'arrive. Ah mince, je... Pardon, excusez-moi. Ça va? Oui, et vous? Oui, oui, laissez-moi. Désolé, pardon. Vous inquiétez pas, c'est rien. Vu la chance que j'ai aujourd'hui, je suis plus à ça près. Ashley Matthews, vous cherchez du travail? Oui. Je vais rater le bus. Ravi de vous avoir rencontré. Bah, votre téléphone. Allô? Non, elle n'est pas là, non. Oui, bien sûr, je lui passe le message. Bonjour. Bonjour. Tic,
un sale égoïste et un vicieux. Francine, bonjour, je vois que tu as de la suite dans on les idées. On dirait que ça t'amuse de porter des allégations diffamatoires. Arrête avec ton jargon d'avocate. Les allégations, c'est souvent infondé. Moi, j'allègue pas, j'affirme. Oui, peut-être, c'est pas le sujet. Si, au Forcing contraire. Est furieux et ne s'en cache pas. Et alors? Je me demande pourquoi Bob continue de publier tes articles. Parce qu'ils sont excellents et qu'ils font vendre le magazine, ce qui est le but, je crois. Lance-toi des fleurs si ça te fait plaisir. T'as merdé, point barre. J'ai merdé. Arrête de jouer les innocents, c'est agaçant. Prends un peu tes responsabilités pour une fois. J'écris ce que je veux. Ça, c'est clair. Si ça te pose un problème, parce que ça te force à faire ton boulot, tant pis. Attends, est-ce que t'as entendu un seul mot de ce que je viens de dire? Pas vraiment, non, j'ai pris l'habitude de pas t'écouter. Francine, si mon article te chagrine, parle-en à Bob, mais je doute qu'il t'écoute vu qu'il l'a publié. Il te soutiendra pas éternellement. T'es jalouse parce qu'il m'aime bien. Bob demande à te voir. Oh, tu disais, excuse-moi, mais... Bob demande à me voir. Je comprends parfaitement. Non, attends, je te rappelle. William Price, assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mauvais signe quand tu m'appelles par mon nom de famille. C'est Forcing Keral? Ils auraient quoi, selon toi? Je sais pas. Mes articles sont souvent mal vus. Oui, et justement, est-ce que c'est une bonne chose, en fin de compte? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que Claire a vérifié toutes les infos et qu'à première vue, ça collait. Mais elle s'y est replongée quand Forcing s'est mis à nous menacer d'une action en justice. En justice? Non, ils ont rien contre nous, c'est ridicule. C'est aussi ce qu'a dit Francine, estime-toi heureux. Mais Claire a remarqué quelque chose d'intéressant en parcourant les enregistrements. Ta source dit que la société est à la traîne, mais uniquement en ce qui concerne les espaces verts. Alors que toi, tu prétends que toute l'entreprise est à deux doigts de couler. Ce qui est vrai. Fais attention à toi, Will. T'as sorti une phrase de son contexte. T'as maquillé les infos pour descendre Forcing. Tu me mets à la porte? Non. Mais t'as une dette envers moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Claire, qui a l'impression que tout est de sa faute, pauvre petite, va partir en congé maternité. Il va nous manquer un vérificateur. Ce que je veux, c'est que tu la remplaces, histoire de comprendre une bonne fois pour toutes à quoi ressemble la vérité. Tu me mets sur la touche? Mettre quelqu'un sur la touche, c'est souvent temporaire. Quand Claire reviendra, on avisera, mais pas avant. C'est Francine? C'est elle qui t'a dit de faire ça? Non. Je suis journaliste. Rien ne t'empêche d'écrire pendant ton temps libre, mais je n'en publierai pas une ligne jusqu'à ce que tu saches transmettre une info et non l'inventer. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, je m'appelle Ashley Matthews. J'ai rendez-vous avec monsieur... Le poste a déjà été pourvu. On vous a appelé ce matin. Ah, oh, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Certaine. Parce que j'ai mon téléphone et je l'aurais entendu sonner. Essayer de me faire passer pour une folle ne changera rien au fait que le poste est pourvu, c'est clair? Oh, Madame Hendrix. Bonjour, Ashley. Vous avez eu mon message à propos de l'eau? Oh, vous avez toujours des problèmes, alors? C'est au moins la quatrième fois que ça arrive. Dois-je voir avec Monsieur Hendrix? Il n'est pas là. Il revient bientôt? Très bientôt, oui. Madame Hendrix, je n'ai pas l'eau courante dans mon appartement et... comme à chaque fois, ça tombe hyper mal. Oh, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Comptez sur nous, nous allons réparer ça dès que possible. Et voilà, une petite soupe à la tomate pour Nick et un chili ultra épicé pour Ashley. Merci Stan. Y a pas de quoi. Comment ça va aujourd'hui? Ça peut aller. Bon appétit. Alors, comment va votre ami? Quel ami? Oh, oh, il me raconte des choses que j'ai pas envie d'entendre. Et toi, ton entretien? M'en parlez pas. Pourquoi? Si je t'en parle, c'est que j'ai envie de savoir. Ça s'est pas bien passé, mais j'ai l'habitude. Vas-y, raconte-moi. Nick, je vous dis que je veux pas... Toi qui es contrarié, ça te fera du bien d'en parler. Allez, raconte-moi. Très bien. Alors voilà. Ma journée a commencé avec une énième coupure d'eau, alors que j'étais sous la douche. J'ai dû me rincer les cheveux avec l'eau de la gamelle de Dash. J'étais hyper en retard et je puais des cheveux. J'ai foncé vers ma voiture qui a refusé de démarrer, j'ai couru pour aller prendre un bus et dans ma course, je me suis fait bousculer par un type et
J'ai perdu mon téléphone, donc j'ai raté l'appel qui m'indiquait que le poste était déjà pourvu et que je n'avais pas besoin de prendre le bus pour aller là-bas. Tu t'es rincé les cheveux avec l'eau du chien? C'est tout ce que vous avez retenu de mon histoire. C'est super drôle, je trouve. Et pour ne rien arranger, c'est la période la plus déprimante de l'année. C'est bientôt Noël, qu'est-ce que tu me chantes? Ben justement, c'est une fête vide de sens qui pousse les gens à se ruiner et à beaucoup trop manger. C'est une blague? Tu es sérieuse? Oui. Et puis c'est quoi ce mélange de rouge et de vert? Même moi, je sais que ça va pas ensemble. Sans parler des chants de Noël. L'enfant au tambour, sérieux? C'est qui ce petit garçon? Et un tambour, ça fait pas... Param, papam, pam. C'est un peu plus que ça, Noël, à vrai dire. Ouais. C'est une période où on passe beaucoup de temps avec ses amis et sa famille. Et quand on a ni l'un ni l'autre, c'est pas si génial que ce que tout le monde veut bien prétendre. Tu n'es pas seule, tu as Dash. Oui, Dash. Quand je l'ai trouvé devant ma porte l'an dernier, ça a été le meilleur Noël de ma vie. Mais avant ça, c'était... Ah, laissez tomber. Ce qui est sûr, c'est que si je ne trouve pas de boulot, je vais sûrement devoir quitter mon appartement miteux, me débarrasser de ma voiture et me séparer à contre-cœur de mon pauvre chien. Je sais bien qu'à l'échelle de l'univers, je suis toute petite. Mais un petit peu de répit serait le bienvenu. Tout va s'arranger. D'ailleurs, j'ai le boulot idéal pour toi. Ah oui, c'est quoi? C'est un emploi saisonnier. Mais ce n'est pas parce que c'est en rapport avec Noël que tu vas le détester. Hein? J'ai pas les moyens de faire la fine bouche. C'est quoi comme boulot? C'est un poste d'assistante. Il y aura des petites tâches à accomplir par-ci, par-là. Rien de très difficile. Plus on va se rapprocher de Noël, plus il y aura du boulot. Qui vous en a parlé? Je connais celui qui recrute. Ah oui, c'est qui? Il est en face de toi. Je peux pas travailler pour vous. Pourquoi? Vous avez pas les moyens de vous payer une assistante. Et j'ai un petit pécule. Oui, mais je veux pas vous le prendre. Cet argent ne me sert à rien s'il dort au fond d'un tiroir. Nick, c'est super gentil à vous, mais... Où se situe le problème? Ça alors. Hé, hey, Mikey, comment ça va? Ça fait un bail, dites donc. Tenez une Noël pomme. Approche si tu veux savoir. Je sais, c'est dingue, hein. Ouais, le Père Noël va arriver d'un jour ça, à l'autre. C'est sûr. Tu sais que l'année dernière, il m'a donné 100 dollars. Waouh. Vous avez pas tout dépensé d'un coup? Non, quand même, je suis peut-être sans abri, mais je suis pas stupide. Je les ai investis. Ah, dans quoi? Dans un nouveau véhicule. Un de ces jours, Mikey. Tu peux commencer dès demain? Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oui, viens chez moi vers 8h du matin. Oh. Oh, je peux utiliser votre téléphone? Je voudrais appeler sur mon portable, quelqu'un l'a peut-être trouvé. Bien sûr. Viens. Fais comme chez toi. Allô? Allô, c'est mon téléphone. Ashley, je suis content que vous appeliez. Vous connaissez mon nom? Je l'ai lu sur votre CV. Vous êtes la personne que j'ai bousculée. Oui, enfin, j'espère qu'il n'y en a eu qu'une aujourd'hui. Ah, il faut que je vous dise, Tracy et Associés ont appelé. Ils ont trouvé quelqu'un pour le poste. Merci, oui, je sais. Mieux vaut tard que jamais. Sinon, je peux le récupérer? Votre téléphone? Oui. Oui, on pourrait se retrouver quelque part demain? Le plus tôt sera le mieux. À 8 heures? Devant le resto qui est au coin de Slate et de la 11e, vous voyez où c'est? Oui, j'y vais hyper souvent. Super. On pourra se prendre un petit déj ou peut-être... Je veux juste récupérer mon téléphone, merci. Je vais vous le rendre, y a pas de souci. À 8 heures. Super. Vous vous appelez? Will. Bonne soirée, Will. Bonne soirée. Enfin une bonne nouvelle. Mon portable est intact et je le récupère demain. À la bonne heure. Je crois que l'homme qui a mon téléphone
a essayé de m'inviter au resto. Est-ce que t'as essayé de dire oui? Vous rigolez, je le connais pas. Eh bien justement, ça changerait un peu. Tu connais personne à part moi et Dash. Tu devrais sortir, rencontrer un peu de monde. Nick, il m'a fallu 6 mois pour vous dire bonjour. Oui, mais je ne serai pas toujours là, tu sais. Tu devrais essayer de surmonter ta peur des autres. J'ai pas peur des autres. Je leur fais pas confiance, c'est différent. Oui, peut-être. Mais quand un homme t'invite, eh ben tu devrais y aller. Arrêtez de vous faire du souci pour moi. Je vais récupérer mon téléphone et voilà. À quelle heure? À 8h. Tu vas être en retard pour ton premier jour de travail? Ça m'est complètement sorti de la tête. Désolée. C'est bon pour cette fois. Je serai pas longue. Je file au resto et je récupère mon portable et je reviens. Très bien. Bien. Will? Ashley, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Super. Génial. Vous pouvez me rendre mon portable? Oui. Bien sûr. Droit au but. Merci. De rien. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. C'est pas vraiment une question, mais plutôt une invitation. Et si on dînait ensemble? Non, ce serait pas une bonne idée. Pour vous ou pour moi? Ou pour tous les deux? Pour tous les deux, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Quoi? Non, c'est pas ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui va pas chez vous? C'est de bonne guerre. Pour être très franc avec vous, je dois vous dire que j'ai pas eu de petite amie depuis 6 mois. Et je méfie quelque peu des femmes. Mon ex m'a fait un sale coup, ce qui n'a pas aidé, et... Je rentre trop dans les détails. Je suis en train de passer pour un gros naze. Ouais, un peu. Mais je suis pas mieux, alors c'est pas grave. Donc vous dites oui? Quoi? Non. Non, je... Non. 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 Quelles sont vos intentions? Mes intentions? Aucune. Je veux vous inviter à dîner, c'est tout. C'est quoi votre métier? Journaliste. À Modern Business Weekly. Hein? Je connais pas. Ouais, je vois. Qu'est-ce que vous pensez de Noël? J'adore Noël, c'est ma fête préférée. C'est mal barré. Et que pensez-vous du petit garçon au tambour? Du petit garçon ou du chant? Des deux, en fait. Ils sont consternants. Très bien. Mais si j'accepte de dîner avec vous, ce serait pas mal qu'on fasse ça très vite. Pourquoi? Parce que sinon, je pourrais changer d'avis. Dans ce cas, faisons ça la semaine prochaine. Pourquoi pas demain? Non, ouais, non, je peux caler ça, ça. Que pensez-vous 19h. De... 19h, ouais. Et on pourra aller chez... Rendez-vous ici. Ici. Super. Génial. Salut. À demain, alors. Oh, 8h10. Il a dû te faire un effet meuf. J'en sais rien. Alors dites-moi, par quoi vous voulez que je commence? Tu vas aller faire une balade à pied. Vous voulez me payer pour faire l'exercice? Pas tout à fait, non. Tiens, regarde, je t'ai fait un croquis de l'itinéraire à suivre. Je vais pas livrer de la drogue, j'espère? Non. Je sais même pas pourquoi il vous faut une assistante. Ah, tu comprendras bientôt de quoi il retourne. Pour l'instant, va te promener. Mais je sais... Arrête de poser des questions, on perd du temps, il faut que tu te mettes en route. Tu feras un premier arrêt au foyer pour sans-abri. Demande Harry Bingham, dis-lui que tu viens de ma part. So far away and long ago, my memories return of all the friends I know. Bonjour. Nick m'a envoyé récupérer quelque chose. Nick, comment il va? Bien, très bien. Tenez, mademoiselle. Merci beaucoup.
Je lui dirai. Merci. Au revoir. Oui? Bonjour, je viens voir Francine Miller. Je vais voir si elle est disponible. Vous êtes? Ashley Matthews. Salut Francine, une certaine Ashley Matthews est là. Elle demande à te voir. Elle peut pas vous recevoir. Ah, dites-lui que c'est Nick qui m'envoie. Oui, Francine, elle dit que c'est Nick qui l'envoie. Entendu. Elle arrive tout de suite. Merci beaucoup. Ashley? Oui. Enchantée. Voici pour Nick. Ah, merci. De rien. Bonjour. Will? Qu'est-ce que vous faites là? Je bosse ici. Ah, et moi, je suis venue chercher des papiers. Vous connaissez? Ouais. Non. Depuis très longtemps. Depuis hier, en fait. Si j'étais vous, je m'enfuirais en courant. Ashley est une grande fille. Elle fréquente qui elle veut, non? Ah, non, mais je fréquente personne. Mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Il faut que je file. Au merci. Revoir. À demain. D'où tu la connais? Y a quoi demain? On va dîner. C'est ta nouvelle victime, alors. T'as un fait pour elle, non? Elle me plaît assez. D'où le dîner. Toujours à vouloir étoffer ton tableau de chasse, je vois. Je crois qu'elle va me donner du fil à retordre. Tu veux dire qu'elle ne s'est pas jetée à tes pieds, c'est ça? Les filles qui me plaisent ne s'enfuient pas tout en courant. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Si tu le dis. Ah, non, sérieusement. D'où tu la connais? Elle est passée prendre des affaires pour un vieil ami et je ne l'avais jamais vue avant aujourd'hui. T'es content? Ça me va, ouais. Alors maintenant, excuse-moi, mais Bob m'a demandé de relire ton papier pour éviter qu'on soit à nouveau poursuivi. Mais d'ailleurs, dis-moi, t'as pas des infos à vérifier, toi? Si. Merci beaucoup. Ah, te revoilà. C'était une sacrée promenade. Oui. Tu veux un verre d'eau? Je vais bien. Assieds-toi. Merci. Y a toujours pas d'eau? Non, mais j'ai une bouteille au frigo. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Et c'est quoi tous ces dossiers? C'est ton travail. Pardon? Mm-hmm. Vous voulez que j'en fasse quoi? Que tu les lises. Tout ça? Je vais t'aider, t'inquiète pas. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Ça risque de me prendre toute la nuit. Oh non. Merci. Ça se lit beaucoup plus vite que tu ne crois. Je t'ai préparé à dîner. C'est gentil. Julianne Ryan a 7 ans. Sa mère est partie en Irak chez les Marines. Elle vit avec sa grand-mère Rose. Rose est diabétique et a besoin de traitement et d'une nouvelle prothèse auditive. Julianne a besoin de nouvelles chaussures. Elle adore les poupées et tout ce qui s'y rapporte. Vous connaissez toutes ces personnes? Non, ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Ils sont très nombreux. Effectivement. Vous faites quoi pour eux? On leur donne un petit coup de main. On, c'est qui? Et toi et moi, tu es mon assistante, non? Vous les aidez comment? Il faut de l'argent pour ça. J'en ai un peu de côté. Mais ça va coûter une fortune, regardez un peu cette grosse pile. Oui. Cet argent, d'où provient-il? Je le savais, vous vendez de la drogue. Je vais te confier un secret. Mais promets-moi de le garder pour toi. Promis? Je suis un homme riche. Qu'entendez-vous par riche? Très riche. Dans ce cas, pourquoi vous vivez toujours ici? Je suis au chaud et au sec, j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça me suffit. Vous vous êtes enrichi comment? J'étais un homme d'affaires brillant. J'étais doué pour la finance, très doué même.
Et j'ai fait fortune. Et vous avez fait fortune? Ah, je pourrais être l'heureux propriétaire de plusieurs immeubles. Qu'est-ce qui vous retient? Je ne crois pas en l'immobilier. Et l'être humain, pour ma part, est un meilleur investissement. Oh, et d'ailleurs... voilà ce qu'on va faire demain. Donc vous passez vos journées à chercher des gens à aider, c'est ça? Oui, et plus particulièrement pendant les fêtes de fin d'année. Bien sûr, les gens ont besoin d'aide en toute saison, mais je crois qu'au moment de Noël, leur détresse et leur frustration sont beaucoup plus accablantes. Alors vous êtes une sorte de philanthrope? Oh, j'aime pas cette étiquette. En cette période, je dirais plutôt que je suis un Père Noël mystère. Vous avez déjà fait quelque chose pour moi? Oui. L'année dernière. C'est vous qui m'avez offert Dash. Dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il serait parfait pour toi. Comment vous avez su? Quand tu arrivais ici, tu portais un petit pendentif avec un chien dessus. Tu te souviens? Oui. Mais tu n'avais pas de chien. Je trouvais ça dommage. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Parce que ce serait aller à l'encontre du principe du Père Noël mystère. Écoute, les gens ont besoin de ton aide. Et j'ai besoin de ton aide, moi aussi. Noël est le moment idéal pour commencer à s'occuper un peu des autres et arrêter de ne penser qu'à soi. Et c'est dans la nature humaine de ne penser qu'à soi. C'est l'occasion rêvée pour changer, justement. Je sais pas si j'en suis capable. Noël est dans moins de 3 semaines. On se préoccupera de ce dont tu es capable plus tard. Les Dash, c'est l'heure de dormir. On a du pain sur la planche demain. Bonne nuit. Ok. Je peux savoir ce qu'on fait là? On observe les gens. On cherche quoi, au juste? Oh, disons plutôt, on cherche qui? Des gens démunis. C'est ça. Mais on a déjà une liste longue comme le bras de gens qui ont besoin de votre... Enfin, de notre aide. Il y en a tellement plus que ça. Ah bon? Ah, oui. Oh que oui. Regarde autour de toi. Qui a besoin d'aide? Regarde bien. Lui? Mikey? Oh oui, lui, c'est facile à deviner, mais... C'est un bon début, continue. Qui d'autre, à ton avis? J'en sais rien. Regarde bien. Tu vas trouver. C'est bien. Je suis sûr et certain. Tout le monde? Exactement. Tout le monde travaille ses souffrances et ses peines. C'est pas toujours aussi visible que chez Mikey, mais... Chacun a besoin de savoir que quelqu'un pense à lui. Donc, vous les trouvez simplement en regardant? Alors, qui veux-tu qu'on aide? On peut aider les deux.
Maman! T'as vu comme c'est chouette? Qu'est-ce que c'est? C'est merveilleux. Aide-moi à rentrer les paquets. Vous dépensez combien exactement pour ça? Oh, je ne tiens pas de compte. Quoi? C'est une blague? Non, encore une fois, ça contredirait l'objectif. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées hier, ce sont vos espions, vos informateurs? Au fil des années, j'ai noué des liens avec un certain nombre de contacts sur lesquels je peux compter. Ce sont mes taupes, en quelque sorte. Et ils savent garder un secret? Oui. Je suis pas encore convaincue par certains aspects du poste. Et je crois pas au Père Noël. Mais j'avoue que c'est une super idée. C'est gratifiant, non? Oui, il paraît que lorsqu'on aide quelqu'un, c'est à nous-mêmes que l'on fait le plus de bien. C'est pour ça que vous le faites? C'est l'un des avantages. Mais ça coûte une véritable fortune. C'est vrai, mais c'est pas indispensable pour faire une bonne action. Il suffit parfois d'ouvrir les yeux et de prêter attention aux autres. Tiens, regarde Stan, par exemple. Est-ce que tu as vu que ces derniers temps, il y avait quelque chose de différent chez lui? Non, pas vraiment. Il est moins joyeux qu'avant, il est comme assombri. Comment ça? Pas de soucis, c'est pour moi. Merci, Stan. L'an dernier, son fils est mort à peu près à cette époque. Je savais même pas qu'il avait un fils. Si, Tom, un chouette jeune homme. Il s'est noyé en portant secours à quelqu'un. Ashley? Will? Excusez-moi, je suis en retard? Oh mince, je suis désolée, on avait rendez-vous, j'ai complètement oublié, je suis navrée. C'est fou l'effet qu'il t'a fait, dis donc. Vous voyez un autre homme dès notre premier rencard? Oh non, c'est pas un rencard du tout. Je m'appelle Will. Nick, ravi de vous rencontrer. Pareillement. Ça vous va si on reporte à un autre jour, parce que... Non, ne reportez rien, faites comme prévu. Je vais emporter mon repas. De toute manière, il faut que je dise un mot à Stan, ça tombe bien. Enchanté, oui. Moi aussi, monsieur. Bonne soirée. Je suis désolée. C'est pas grave. Je suis à l'heure, pourtant. Vous avez déjà dîné? Non. Est-ce que c'est Nick en personne? Salut, Stan. Je peux commander? Vous le connaissez? Non, je l'ai vu sur des photos. Ah oui? Oui, au magazine où je bosse. Ce mec était super balèze. C'était le roi du monde des affaires. Et un jour, il a tout quitté. Pouf, on l'a plus jamais revu. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Je vous apporte un petit verre d'eau et je reprends celui-là. Merci. Vous avez choisi? Je vais prendre la même chose qu'Ashley. Vous êtes sûr? Ouais. Ça marche, je vous apporte ça tout de suite. Ça sera pas long. Merci. Vous avez choisi quoi? Le chili maison ultra épicé. Super, c'est parfait. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Je travaille comme assistante. Où ça? Pour mon voisin. C'est chouette. Et vous êtes journaliste? Oui. Ouais. Merci. À bientôt. Ah, non, c'est faux. Je suis vérificateur d'informations pour le magazine. Ah. Oh. Attention, voilà les deux chilis, bien épicés. Bon appétit. Merci. Merci. Ça a l'air délicieux. Vous allez voir, c'est une tuerie. Excellent. C'est pas très fort pour un chili ultra épicé. Attendez un peu. Comment vous avez connu Nick? Je lui demande de venir dîner avec vous, si vous voulez. Non, je suis désolé. Je suis très curieux de nature et je... Souvent, je...
la vache, c'est fort. Est-ce que ça va? Oui, mais... Ah, vous n'avez pas la bouche en feu, vous? Ça va? Ouais. Il est excellent, Chini. Je vais être franc avec toi, la prochaine fois, je commanderai autre chose. Comme son nom l'indique, c'est ultra épicé. Ah, tu t'es pas opposé à une prochaine fois? On peut se voir un peu plus tard dans la semaine? Si tu veux. C'est cool. Oh, excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Bonsoir, Nick. Vous êtes voisin? Eh oui. C'est pour Nick que tu travailles. Elle me donne un petit coup de main, oui. Je suis plus aussi fringant qu'autrefois. D'accord. Excusez-moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, c'était sympa. Bonne nuit. Bonne nuit, Ashley. Ouais, ça a l'air d'aller. Tu devrais juste revoir la dernière partie. Salut, Francine. Merci. Ashley et Nick travaillent vraiment ensemble? Excuse-moi, j'ai beaucoup de boulot. Tu sais que je lâcherai pas l'affaire. Pourquoi tu veux savoir? C'est Nick Anderson. C'est une légende pour moi et pour le magazine. S'il te plaît, allez, dis-moi ce qu'il mijote. Will, c'est pas tes oignons. Francine... Non, s'il te plaît, arrête, laisse tomber, tu veux? Tu ne m'as pas raconté ton dîner? Il n'y a rien à raconter. On était au resto, on a pris le même plat, il a failli s'étouffer tellement c'était relevé. Et on est rentré chez nous. Et vous allez vous revoir? On n'a pas vraiment décidé, mais on verra, je sais pas. Tu en as envie? Pourquoi pas? J'ai comme l'impression que c'était plus facile de rencontrer l'âme sœur à mon époque. Ça a toujours été difficile. Oui, c'est pas faux. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions que l'essentiel est plus vite oublié. Salut, Nick. Joyeux Noël, Harry. J'espère qu'avec ça, tu auras de quoi tenir. Oh, j'en suis sûr. Ah, attends, ne bouge pas, c'est tout verglacé. Je m'en occupe. Très bien. Comment vous allez? Très bien, merci. Attendez, laissez-moi faire. Vérifier l'article sur GE? Ouais, je suis pas là pour ça. T'es venu t'excuser? L'article du siècle, ça tirait comme excuse? Si ça doit nous valoir un procès, pas trop. C'est une histoire qui fait rêver. J'ai rencontré Nick Anderson. Le directeur général de... Oui, monsieur. Continue. Figure-toi qu'il fait du bénévolat pendant les fêtes. Écoute, j'ai déjà vu plus original, mais... Il fait ça incognito. Montre-moi l'article. Je l'ai pas encore écrit. Je voulais d'abord être sûr que le sujet t'intéressait avant de le rédiger. Et que tu serais disposé à lever ma sanction. Je te promets rien. J'y vais. Francine? Oui? Will veut écrire un papier sur Nick Anderson. Je sais qu'il est à la retraite, mais je prends pas le risque d'une procédure cette fois. Je compte sur toi. Je m'en occupe. J'arrive pas à croire qu'il y ait tant de gens dans le besoin. Et pourtant... Le foyer pour sans-abri n'avait presque plus de vivres. Ouais, ce qui n'est pas bon signe pour un foyer, surtout à cette époque de l'année. Ça arrive souvent? Oh, plus souvent que tu ne le crois. Mais il n'est jamais tout à fait à sec. Vous y veillez, n'est-ce pas? Oui. Nick, c'est Francine. Je crois qu'on a un petit souci. Pas juridique, votre succession est en ordre. Mais l'un de nos journalistes, Will Price, est en train d'écrire un article sur vous. Il a percé votre secret, je crois. Je sais que vous êtes assez pointilleux au sujet de votre anonymat, alors appelez-moi, je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est pas vrai. C'est ma faute, je suis désolée. Ce n'est rien. Tu t'es servi de moi. Ashley? Tu t'es servi de moi pour approcher Nick et lui mettre des bâtons dans les roues. Tu plaisantes. Je veux raconter son histoire parce qu'elle est passionnante. C'est pas ce qu'il souhaite. Et pourquoi? J'en sais rien.
Mais quelles qu'en soient les raisons, tu dois respecter son choix. J'ai assemblé les pièces du puzzle. C'est tout. J'ai rien calculé, je t'assure. Mais c'est une occasion en or. T'as rien calculé, t'en es bien sûr. Alors pourquoi tu m'as dit que t'étais vérificateur? Tu m'as menti. Je t'ai pas tout dit, c'est différent, tout comme toi. J'ai pas tout dit pour protéger un ami. À t'entendre, on dirait que c'est honteux. C'est une histoire extraordinaire. C'est typiquement le genre de symbole qui fait rêver à Noël. Je pouvais pas espérer mieux. On parle pas de Noël, Will, on parle d'un homme. Nick est la personne la plus généreuse que j'ai jamais rencontrée, et il m'a confié son secret. Et parce que le destin a voulu que tu trouves mon téléphone, ce secret va être dévoilé à cause de moi. Ashley, attends. T'es qu'une enflure, tu le sais, ça? Ouais, on me le dit souvent. Écoute, si tu veux bien me laisser parler à Nick, il comprendra, c'est certain. Quand je pense que j'ai failli craquer pour toi, je croyais que tu t'intéressais à moi. Bien sûr que je m'intéresse à toi. Non, ce qui t'intéresse, c'est ton article. Et j'ai pas le droit d'être intéressé par les deux? Non. Parce que si tu t'intéressais à moi, tu saurais qu'il ne faut pas écrire cet article. Nick? 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 Nick! Mademoiselle Matthews? Oui. Vous êtes l'amie de Nick Anderson? Oui, c'est moi. Son état est stable et il m'a demandé de venir vous faire un petit compte-rendu. Veuillez vous asseoir. D'accord. Sa santé s'est quelque peu détériorée depuis sa dernière hospitalisation il y a quelques mois. Le cancer qui était en rémission est revenu et commence à se propager. Les métastases sont apparues sur plusieurs de ses organes vitaux. On se connaît, non? Vous m'avez vraiment fait peur. Moi aussi, je me suis fait peur. Est-ce que tu as parlé au médecin? Oui. Vous pouvez vaincre le cancer, ça arrive souvent. Oui, mais je l'ai déjà vaincu deux fois. La troisième fois sera la bonne, comme on dit. C'est faux. Vous pouvez avoir les meilleurs traitements. J'ai eu les meilleurs traitements déjà. Le cancer est réapparu, je ne pense pas pouvoir le vaincre cette fois. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. Et le Père Noël mystère dans tout ça? Je te le confie. Quoi? Oui, tu vas reprendre le flambeau. Non. Bien sûr que si. Francine a déjà rédigé tous les documents nécessaires pour la succession. Francine? Celle du magazine? C'est mon avocate aussi. Vous avez planifié tout ça? Il fallait bien que je passe le relais à quelqu'un. C'est toi que j'ai choisi. Je saurais pas par où commencer. Mais Ashley, tu as déjà commencé. Hein? Tiens, d'ailleurs, il y a un homme dans la chambre à côté qui n'a pas les moyens de payer sa facture d'hôpital. Tu veux bien aller t'en occuper, s'il te plaît? Oui.
un bienfaiteur discret. Qu'est devenu Nick Anderson? Je t'ai raconté comment j'avais eu cette idée. Il faut savoir que, il y a quelques années, j'étais pas le même homme. J'étais très doué pour le commerce. Et pour la finance, j'avais une femme magnifique qui m'aimait beaucoup. Mais je n'ai pas su l'aimer en retour. Mon grand amour, c'était la chasse au dollar. Je lui ai donné tout ce qu'elle désirait, ou en tout cas tout ce que je croyais qu'elle désirait. Mais ça n'a pas suffi à notre bonheur. Alors elle m'a quitté. J'ai été très en colère. Je me suis arrangé pour qu'elle n'ait droit à rien lors du divorce. Je croyais que j'avais pas besoin d'elle. Les années ont passé et j'étais toujours le même homme. Un jour, j'ai reçu une lettre m'annonçant son décès. C'était bien la seule personne qui m'aimait telle que j'étais. Je ressentais un vide depuis de longues années, mais à la mort de ma femme, je me suis senti tout à coup inutile, seul. Alors j'ai quitté mon emploi et j'ai donné toutes les choses non essentielles, c'est-à-dire à peu près tout ce que j'avais. En fin de compte, j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à cette œuvre. C'est pour ça que je veux que tu prennes la relève. Pour que jamais tu ne te sentes vide, que jamais tu ne te sentes inutile. Et surtout que jamais tu ne te sentes seul. Ne parlez pas comme si vous alliez mourir. Se voiler la face n'arrangera pas les choses. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ton bonheur. S'il vous plaît, promettez-moi de continuer à vous battre. N'aie pas peur. Tu devrais aller dormir un peu. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Will? Il accepterait une interview? Non. En tête-à-tête, ce serait possible. Ça lui ferait de la pub. Il ne veut pas de pub. Et puis, il est à l'hôpital en ce moment. Il a d'autres chats à fouetter. À l'hôpital? Je croyais que tu le savais. Fais attention à ce que tu écris sur lui, s'il te plaît. C'est un homme bien. D'ailleurs, j'aimerais m'y remettre. En tant qu'assistante de Nick, c'est à toi que revient la lourde tâche de répandre la joie de Noël. J'essaie de pas y penser. T'as besoin d'aide? Pour pouvoir espionner Nick? Non. D'accord. On va déjeuner avant d'aller distribuer les cadeaux? Non, on mangera plus tard. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, j'improvise au fur et à mesure. Alors attends, tu verras bien. Voilà votre ticket, je vous appelle dès que c'est prêt. Merci. Puis-je prendre votre commande? Bonjour, je voudrais 50 hamburgers à emporter. 50? 50? Tout à fait, 50 hamburgers. Ça marche, pas de soucis. Ça fera 149 $ et 52 cents. Voilà pour vous. Je vous appelle quand c'est prêt. Merci. Tenez. Merci. Ok.
Merci. Je vois. Tenez. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Tenez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça, alors j'en viens pas, mec. Joyeux Noël. Je vous remercie. Non, Mikey. Joyeux Noël. Comment tu vas? Pas mal, et vous-même? Tenez, c'est pour vous. Merci, merci. On a été à court plus vite que je le croyais. Oui, il y a encore du boulot, tu vas voir. On va en chercher d'autres? Non. Prochain arrêt. Le magasin de jouets. J'ai oublié ma hotte, c'est trop bête. La discrétion est primordiale, ne l'oublie pas. Mm-hmm. C'est pour ça que ton article va à l'encontre des objectifs de Nick. Attends, laisse-moi lui parler d'abord et je verrai ce qu'il veut vraiment. Bien essayé. Ouais. Oui, je sais, je suis le mal incarné. C'est la liste du Père Noël? Oui, il n'y a rien pour toi. Non, pour toi non plus. Ça va, grandir un peu. C'est dur avec tous ces jouets. Trop mignon. Allez, sois franche. D'où vient cette liste? Je l'ai rédigée, en me basant sur certaines indications. De qui? Il y a un réseau de Père Noël mystère ou quoi? Tu me poses la question par simple curiosité ou pour ton magazine? On a beaucoup plus de jouets que ce qui est sur cette liste. Et alors? Les jouets en plus, c'est pour quoi faire. Le bien, ça demande de l'énergie, hein. Ouais. Alors, est-ce que vous désirez un dessert? Non, merci. Faut que j'aille à l'hôpital pour voir Nick. N'oubliez pas de lui dire que je pense bien à lui et qu'il est dans mes prières, d'accord? Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre jour, Nick m'a dit quelque chose. À propos de Stan? Oui, il m'a dit que son fils était mort dans un accident. C'était au moment de Noël l'année dernière et j'arrête pas d'y penser. Ça doit être terrible. J'aimerais faire quelque chose pour lui, mais je sais pas quoi. Ouais, rien ne peut soulager une telle souffrance. Je peux t'aider? Peut-être. T'as une idée? On trouvera peut-être l'inspiration si je fais des recherches. Je veux bien. Et sinon, qu'est-ce que tu fais réellement au magazine? C'est-à-dire? Tu m'as menti en disant que t'étais journaliste. Ah si, je suis bien journaliste. Sauf que récemment, j'ai écrit un article à charge sur une entreprise qui n'a pas plu du tout à mon chef. Et dit que j'ai sorti les faits de leur contexte. Et c'est vrai? Disons que je me suis arrangé pour éviter un procès. Oh, et t'es fier de toi? Si ça peut te consoler, on m'a puni, je suis maintenant vérificateur d'informations. Enfin bref. Et pourquoi Nick t'a choisi? Aucune idée. Menteuse. Ah bah tu peux parler. Oh, touché. Il m'a dit qu'il voulait me voir heureuse, surtout en cette période. Tu ne l'es pas d'habitude? Disons que je suis pas hyper fan de Noël. Pourquoi? En fait, j'ai rien contre Noël, c'est pas ça. Seulement, c'est une période très difficile à passer pour des gens comme moi. C'est-à-dire? Bon, écoute, je vais m'arrêter là parce que je suis en train d'ouvrir mon cœur à la personne à qui je devrais sans doute le moins me confier. Et le mur se dresse. Je te demande pardon. On se connaît pas depuis longtemps, mais je vois que tu évites les gens le plus possible. C'est faux. T'en es certaine? Tu ne parles qu'avec Nick et avec ton chien. N'importe quoi. T'es pas obligée de cacher tes sentiments aux autres, tu sais. Arrête, mes sentiments, tu t'en fiches. T'as besoin de moi pour ton article. Tu crois vraiment que c'est pour ça que je suis là? Je me trompe? Monsieur, j'ai des gros problèmes au travail. C'est parce qu'on est amis que ça m'intéresse. Oh, arrête de me faire marcher. On n'est pas amis? Non. Touché coulé. Ashley, attends une seconde. Je sais bien que les femmes peuvent être capricieuses, mais là, tu pousses le bouchon un peu loin. Quoi?
Tu t'es retourné au moins. Écoute, je te remercie de ton aide, Will, sincèrement. Mais je sens bien qu'il y a un truc qui cloche. Tu m'enlèveras pas de la tête que ton histoire d'amitié sonne complètement faux. Je t'ai aidé de bon cœur, je te signale. J'ai pas fait semblant. J'ai distribué des hamburgers, je suis allé au magasin de jouets. J'ai même supporté ton caractère de cochon. Et quand j'ai le malheur de te demander pourquoi t'aimes pas Noël, toi tu m'accuses de manipulation. C'est la vérité, sinon qu'est-ce que tu ferais là? Je suis là parce que je tiens à toi. Non, c'est faux. Si, je tiens à toi. Non, c'est faux. Tu dis plus rien. Ça va? Je t'ai coupé le souffle, hein. Arrête de te la jouer, c'est fatigant. Ça va rien changer, pas vrai? À demain, alors. J'ai parlé à Madame Hendrix tout à l'heure. Elle a enfin décidé d'appeler un plombier? Apparemment, M. Hendrix a fait une attaque il y a à peu près un mois et elle a dit qu'elle n'était pas souvent chez elle parce que il est dans un centre de soins. C'est vrai? Mm-hmm. Vous vous arrêtez jamais? Je suis pas encore mort. Ça a été aujourd'hui? Ça s'est pas trop mal passé. Pas trop mal. Je sais pas trop comment vous le dire, alors je vais me lancer. Le journaliste dont on vous a parlé, celui qui veut écrire un article sur vous et avec qui j'ai eu le malheur de dîner, il a proposé de m'aider. Et j'ai accepté. C'est très intéressant. C'était trop difficile toute seule. Et il a vu comment on fonctionnait. Il voudrait vous interviewer. Je vous demande pardon. Pitié, dites quelque chose. Il te plaît, ce garçon? Pas du tout. Un couple sauvé des glaces. Le couple serait certainement mort sans l'intervention héroïque de Tom Manning, héros natif de la région. Mais l'issue a malheureusement été fatale pour Manning. Coucou Dash, on va se promener dans une minute. J'ai un coup de fil à passer. Madame Hendrix? Oui? Ah, je vais aller ranger ça dans la camionnette. On a fait tout ce que vous aviez demandé. On a réparé les canalisations et on a remplacé tous les chauffe-eau. Toute la tuyauterie de l'immeuble est en parfait état de marche. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour vous, madame? Quoi? Oh, je n'ai pas les moyens de vous payer. Pas la peine, tout est déjà réglé, madame. Est-ce que tu veux qu'on parle d'hier soir? Non. Ok. Et sinon, qui vit dans cette maison? Ah, une petite fille et sa grand-mère. Je serai pas longue. Ouais.
chère Rose, j'ai beaucoup trop de travail cette année et je ne voulais surtout pas risquer de vous oublier, vous et Julianne. Voici des jouets pour votre petite fille et un peu d'argent pour vos médicaments. Bonne fête, bisous le Père Noël. T'es hyper douée. Ouais, je sais. T'assures beaucoup plus que ce que tu crois, en fait. Nick t'a bien formé. Merci. Et d'ailleurs, comment il va? Il dit que tu peux aller le voir. C'était pas ma question. C'est ça, ouais. Il veut bien me parler. Et sinon, tu comptes éviter mon regard encore longtemps? J'évite pas du tout ton regard, n'importe quoi. Si, tu évites mon regard. C'est pas vrai? Très bien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'évites pas. Si tu veux. Bon, quand est-ce que tu veux aller voir Nick? J'ai découvert des choses sur Tom, le fils de Stab. J'espère que ce ne sont pas des horreurs. Alors, tu veux que je te raconte, oui ou non? Vas-y. L'année dernière, à Noël, une voiture a dérapé sur une route verglacée. Elle a fini sa course dans un lac. Un couple de jeunes mariés était coincé à l'intérieur. Tom passait par là, il a plongé dans le lac, il a sauvé le couple, mais... il n'a pas réussi à regagner la rive. On l'a retrouvé quelques jours plus tard. Oh, Stan... c'est affreux. J'ai imprimé l'article. Je me suis dit que t'aurais peut-être envie de le lire. Ça peut me donner une idée pour Stan. Merci. De rien. Salut, c'est Will, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah. Ouais. Salut, toi. Comment ça va? Oh, génial. Ashley, tu veux bien nous laisser une minute? Vous êtes sûr? Non, il s'aillera. Ok. Asseyez-vous, je vous prie, Will. Merci. J'espère que le dictaphone ne vous dérange pas. Je vois que vous me connaissez bien. Je suis journaliste. C'est mon métier. Bon, sans blague. On peut commencer l'interview? Je veux d'abord vous poser quelques questions. Je vois. D'où venez-vous? Du Michigan. Où avez-vous fait vos études? À Northwestern. Vous aimez écrire? J'adore ça. Vous aimez Ashley? C'est une chouette fille. Une chouette fille? Une fille formidable. Elle a la tête dure. Qui ne l'a pas? C'est vrai. Je l'aime beaucoup. Laissez-moi vous dire une petite chose. Elle a eu une vie tout à fait différente de vous et moi. Elle a dû se battre bec et ongles pour tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Elle ne vous a pas parlé de son enfance, je suis sûr. Quand elle était bébé, elle a été déposée devant un foyer pour orphelins. La pauvre enfant changeait de famille d'accueil en permanence. Elle était rejetée comme une vieille chaussette. Non, elle n'a pas eu une enfance normale, ça c'est sûr. Alors que tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée de façon inconditionnelle. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas impossible. En fait, les gens l'ont trop souvent déçue. Elle a du mal à faire confiance. Oui. J'ai cru remarquer. Oui. Mais elle vous aime bien.
sinon elle ne vous aurait jamais laissé l'approcher comme elle l'a fait. Vous croyez? Oh oui. Mais... pour être honnête, parfois elle me regarde même pas. Je ne vous trouve pas très clairvoyant pour un journaliste. C'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Et si elle vous regardait dans les yeux, elle aurait peur de fondre. C'est pas trop tôt. Oui, désolé. T'as eu tout ce que tu voulais? Ouais. Je vais aller voir comment il va. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai envie de me dégourdir un peu les jambes. Oh, vous voulez de l'aide? Non, ne fais pas attendre Will. Il s'en remettra. Tu comptes le tenir à l'écart combien de temps? Aussi longtemps que possible. Ouais. Si tu attends trop longtemps, tu risques de laisser passer ta chance. Alors va vite le rejoindre. J'appellerai l'infirmière si j'ai besoin de quoi que ce soit. D'accord. Allô? Oui, on attend la vérification de l'article à la une de cette semaine. Ce serait bien que tu nous l'envoies avant qu'on imprime. Ouais, je suis dessus, t'inquiète. Ça avance, ton papier sur Nick Anderson? Ouais. Je veux bien voir ton ébauche avant le bouclage du numéro spécial Noël. Ok, ça roule. N'oublie pas mon article en une. Un couple sauvé des glaces. Les renseignements, bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je avoir le numéro de Nina et Aaron Walker, je vous prie? Un petit instant. Merci. Nick Anderson a beaucoup de points communs avec le Père Noël. L'âge avancé... ou encore la jovialité. La seule différence, c'est qu'il n'a pas de barbe. Sinon, on dirait le vrai. Allô? Quand ça? Très bien. Merci.
C'est mon appartement. Ashley Matthews ? J'ai une lettre pour vous. Signez ici. Bonne journée. Merci. Cher Ashley, j'ai compris que les choses allaient vite mal tourner pour moi, alors j'ai voulu t'écrire avant de passer l'arme à gauche. Avant tout, sache que je ne veux pas de funérailles pompeuses. Je suis mort, je ne serai pas là pour faire la fête avec vous. Alors inutile d'en organiser une. Mon avocate va te contacter au sujet de ma succession. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une famille pour moi, alors je te lègue tout. J'espère que tu utiliseras ce capital pour aider les autres. Pour terminer, arrête tes bêtises et dis à Will que tu l'aimes. Rappelle-toi que le cœur est un muscle résistant. Ne te fais pas de mauvais sang pour l'article. S'il est publié, ce n'est pas bien grave. Après tout, je ne serai pas là pour protester auprès du rédacteur en chef. Tu vas terriblement me manquer. Mais je ne vais pas te mentir. J'espère retrouver mon ex-femme Holly et lui présenter mes plus plates excuses. Je t'aime, Nick. Salut. Ça va aller. Comment tu veux que ça aille? T'as raison. Mais c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Je sais que tu vas tenir le coup. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te réconforter. Je déteste Noël plus que jamais. Justement, il est temps que ça change. De la luge? Ouais. Pourquoi? Eh ben, Nick m'a dit que t'avais pas eu une enfance heureuse, alors... Alors t'as pensé à la luge? T'en as déjà fait? Non. Alors arrête de te plaindre et viens avec moi. Pas dangereux? Bien sûr que non. T'es prête? Non. Super. Ça va? Ouais. On y retourne? Ouais. Si t'y tiens. Mais cette fois, on va aller plus vite. Everyone's talking louder about material things that don't matter. It's not to me. If I could have just one thing for this year, it'd be to cry all endless tears from all the pain that we've endured in the past. Change if we try to rearrange the way we live and maybe give a little more. I hope there's someone listening, 'cause I could only scream so. Super, maintenant je suis frigorifié. Y'a pas de quoi. Merci. Tu t'es réchauffé? Ouais, ça va, merci. La maison vous offre une petite part de tarte. Voilà, pour vous et pour la demoiselle. Stan, c'était pas nécessaire. Oh, ça me fait plaisir. Merci. Et sinon, comment ça va? Oh, ça peut aller. Je me sens un peu seul, surtout en ce moment, sans Nick et bien sûr, sans mon fils. Est-ce que vous aviez déjà rencontré mon fils Tom?
Non, mais Nick m'en a dit beaucoup de bien. Ah, c'est tout lui, ça. Oui, il était promis un bel avenir. Il était allé à Harvard, il avait obtenu une bourse pour étudier le commerce. Il avait réussi haut la main. Il avait un boulot qui l'attendait, et puis... Ouais, bon, enfin bref, ça sert à rien de remuer le couteau. Je vous souhaite un bon appétit. Allez, bonne soirée. Merci. J'ai retrouvé les Walker. Le couple que Tom a sauvé? Ouais. Ils m'ont envoyé une lettre pour Stan. C'est vrai? Mm. Pourquoi? Enfin, ils ont écrit quoi? Je l'ai pas lu. Mais je parie qu'elle contient des remerciements. Mm. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'on peut bien dire au père de l'enfant qui est mort en vous sauvant la vie? Je sais pas. Ça a été dur pour eux. Où est la lettre? Sur le comptoir, là-bas. Ils ont eu un fils. Et ils l'ont appelé Tom. Ça va le toucher. Merci beaucoup d'avoir trouvé l'article, c'est très gentil. Je t'en prie. Et sinon, le tien, il sort bientôt? La semaine de Noël, si tout va bien. Je veux que tu saches que Nick était d'accord pour que tu le publies. Sérieux? Oui. Si on y réfléchit bien, ce ne sont jamais que des mots. Et il avait d'autres préoccupations. C'était un homme bien. Ouais. Et sinon... T'as des projets pour Noël? Non. On le fait ensemble? Non, c'est gentil. Je voudrais pas gâcher ton plaisir. Et puis, j'ai encore plein de choses à faire. Non, c'est pas mon anniversaire. C'est pas pour toi. Sans blague. Ton article est fini? Presque. Si tu veux vraiment prouver que tu mérites de réécrire Faute-Grouillé... J'ai eu des changements de dernière minute à faire. T'as un brouillon à me faire lire? Oh, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je te tiens au courant. Merci. Oh, et j'espère que cette fois, tu vas pas donner du fil à retordre à Francine. Ouais. Oui. Ah, regarde, des fleurs. C'est de la part de qui? Aucune idée. Francine, pardon de t'avoir compliqué la tâche. On fait la paix, Will. J'y vais, Dash. Je sais que c'est le réveillon de Noël, mais j'en ai pas pour longtemps. Oh, t'aurais pas dû. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu passer le réveillon avec toi, si ça te va. Ouais, mais j'étais sur le point de sortir. Et on va où? Tu vas voir. À qui j'envoie ça? Je croyais que vous aviez déjà tout distribué. C'est pour vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Il fallait pas. On n'y serait pas arrivé sans vous. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Au revoir. Merci d'être passé. À bientôt. C'était super de faire ça. J'y avais jamais trop réfléchi jusqu'à présent, mais les lutins aussi méritent des cadeaux. Oui. Nick m'a appris que tout le monde a des besoins. Y compris toi. Qu'est-ce que c'est? Non. Ton cadeau de Noël. Je sais pas faire les emballages. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Merci. Tu as survécu à ton premier mandat de Père Noël mystère. C'est vrai, oui. C'était aussi le dernier, dans l'anonymat.
Ouais. À ce propos, je tenais à m'excuser. Non, arrête. C'est à moi de te présenter des excuses. Pourquoi ? Pour la façon dont je t'ai traité. Tu m'as énormément épaulée, alors oublions ce que tu as fait. Même l'article que t'as écrit. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allez, ouvre, dépêche-toi. Ok. Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est ? Mes notes sur le Père Noël mystère. J'ai pas présenté l'article. Quoi ? Je savais que ça te compliquerait la vie. Et t'avais raison, Nick ne le souhaitait pas. Pendant qu'on poursuivait son œuvre tous les deux, j'ai compris que Nick était plus qu'un Père Noël mystère, c'était une sorte d'ange. Un ange de Noël. Et quand on est un ange, on n'a pas besoin de reconnaissance ou de gloire. On veut simplement aider. Mais tu écrivais bien quelque chose pourtant. Tom Manning, un ange de Noël. Il y a un an, un brillant diplômé s'est sacrifié pour sauver des vies. Et un Noël de passé. Qui sait combien il nous en reste? Tu crois qu'un jour t'en auras marre? Non, je serai bien trop occupée. Tu savais que j'avais été lutin? Quoi? À 16 ans, j'étais pas très grand pour mon âge et ma mère cherchait un petit lutin pour sa déco. Ce fut moi. Tu crois que je vais croire ça? Bon, d'accord. J'ai peut-être un peu déformé la vérité. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que je peux t'aider l'an prochain. Comment tu peux savoir où tu seras? Si ça se trouve, tu seras en reportage pour un gros sujet d'actualité, qui sait? Ah, je me débrouillerai pour être là. Si tu veux, bien sûr. Seulement pour Noël? Je te reverrai pas d'ici là? Ouais, ça va pas du tout, t'as raison. Non, parce que Noël, c'est très important, bien sûr. Mais les gens ont besoin d'aide tout le temps. Non, t'inquiète, ça va aller. Cela dit, ils sont parfois très lourds, ces cadeaux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hier. Alors pourquoi tu te lèves? Par culpabilité. Ok, je viens avec toi. On n'a pas besoin d'y aller tous les deux. Je sais. Et j'ai envie de voir les décos de Noël. Ils les ont mises plus tôt cette année. Je croyais que tu détestais ça. Plus maintenant. Allez, viens. On y va, Dash. On a beaucoup de boulot aujourd'hui. T'es prêt? Ouais, allez, on y va. Viens, mon chien. Viens.